Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette ultra gourmande mais surtout très rapide, celle du fondant au chocolat. Il s'agit pour moi d'une recette familiale qui n'a encore jamais été dévoilée, alors à vos fourneaux parce que je veux que vous y fassiez honneur cette semaine. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour un gâteau ultra fondant au chocolat, vous aurez besoin de 6 œufs, 90 g de farine, 200 g de chocolat, 200 g de beurre et 180 g de sucre. On commence par préchauffer le four à 190 degrés, chaleur tournante. On fait fondre ensemble le beurre et le chocolat noir au micro-ondes. Et on mélange légèrement afin d'obtenir une préparation bien homogène. Puis dans un autre saladier, on casse les œufs un à un et on ajoute le sucre. On mélange jusqu'à ce que la préparation blanchisse légèrement. On ajoute ensuite notre beurre et notre chocolat fondu et on mélange à nouveau pour bien les incorporer. On finit ensuite par la farine. Une fois que le mélange est bien homogène, on verse dans un moule carré préalablement chemisé de papier sulfurisé. Pour ma part, c'est dans un moule carré, mais vous pouvez tout à fait utiliser le type de moule que vous le souhaitez. On enfourne ensuite dans notre four préalablement préchauffé à 190 degrés pour environ 12 à 15 minutes. Pour la cuisson, tout dépend vraiment de votre four. Il faut que les bords soient totalement cuits et que le milieu du gâteau reste légèrement tremblotant. Une fois qu'il est cuit, on le laisse légèrement refroidir et on peut tout à fait le déguster tiède ou froid, nature, accompagné d'une boule de glace ou encore de crème anglaise. Bon appétit! Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, mais surtout à vous abonner à ma chaîne en activant les notifications, parce que la semaine prochaine, on donne le top départ pour les vidéos de Noël. À bientôt!